Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Quand on considère l'histoire du Québec, on se rend compte que le peuple québécois n'a jamais pu décider librement de son avenir. Depuis 4 siècles, toute notre histoire a été déterminée par une foule d'événements qui se sont produits ailleurs sur la planète ou par des étrangers qui ont décidé à notre place. Si ça a toujours été comme ça, c'est parce que le Québec est traversé par une voie de communication naturelle d'importance mondiale comme le Saint-Laurent. La vallée du Saint-Laurent est tellement importante que pendant 150 ans, la France et l'Angleterre se sont battus pour essayer de déterminer qui finirait par contrôler cette fameuse vallée et donc l'entrée vers le centre du continent nord-américain. À deux reprises, les Américains eux-mêmes, en 1776 et en 1812, ont essayé de conquérir la fameuse vallée par la force. Enfin, depuis le début de la guerre froide, les Montréal et Savoie-Maritime sont devenus des cibles privilégiées pour les stratèges russes et maintenant chinois, qui savent qu'en cas de guerre contre les États-Unis, la meilleure façon d'affaiblir leurs industries serait de détruire Montréal et sa voie maritime de façon à priver toute l'industrie américaine de la région des Grands Lacs de leur voie de sortie naturelle vers l'océan Atlantique. Dès le début de notre histoire, nos ancêtres n'ont pas eu grand-chose à dire sur leur sort, étant donné que ce sont des décisions du roi de France qui ont amené Champlain, Louis Hébert, les filles à marier, le régiment de Carignan-Salière, à venir s'installer dans la vallée du Saint-Laurent pour en prendre le contrôle au nom du roi de France. Évidemment, comme c'est toujours le pays qui fait le peuple et non pas l'inverse, les premiers colons se sont vite adaptés au pays, à son climat, qui était très différent de celui de la France. Au bout de une ou deux générations seulement, ils formaient déjà un peuple distinct par rapport au peuple français, un peuple qu'on appelait auparavant le peuple canadien, qu'on appelle désormais le peuple québécois. Pendant tout le régime français, le peuple québécois a été dirigé par des administrateurs qui venaient de France pour quelques années et qui prenaient toutes les décisions dans la colonie sans trop se préoccuper de la vie de ses habitants. Si les Québécois de cette époque-là acceptaient volontiers d'obéir aux ordres de ces étrangers qui ne connaissaient rien au pays, c'est parce qu'ils savaient avoir besoin de l'aide et de la protection de la France. Ils étaient peu nombreux, ils avaient besoin des produits et du marché français pour faire des affaires avec les Autochtones. Enfin, ils avaient besoin de la marine et de l'armée française pour les protéger aussi bien contre les Anglais de Nouvelle-Angleterre que contre les Iroquois. Pour tout le reste, les Québécois de cette époque-là n'en faisaient qu'à leur tête. Et ils obéissaient aux administrateurs français seulement quand ça faisait leur affaire. Les gouverneurs, les intendants, les prêtres de l'Église catholique se plaignaient à cette époque-là des airs de liberté que prenaient les Québécois quand ils leur donnaient des ordres. Contre cette attitude-là, les administrateurs français ne pouvaient pas faire grand-chose, étant donné que les Québécois étaient alors aussi indispensables qu'insaisissables. Le tiers de la colonie, au début de la colonie, étaient formés de coureurs de bois, qui étaient des gens armés et qui pouvaient toujours aller se perdre pendant des mois, voire des années, à l'intérieur d'un immense continent si quelque chose ne faisait pas leur affaire. De toute façon, l'activité des coureurs de bois était absolument essentielle à l'économie de la Nouvelle-France qui dépendait entièrement de la traite des fourrures. Les Québécois étaient tellement insaisissables qu'ils ont pu aller fonder dans l'Ouest des peuples de métis en se mariant avec des femmes autochtones, des peuples de métis qui n'ont jamais été sous le contrôle de la couronne française. Quand les Américains décrivent leur conquête de l'Ouest, ils commencent ordinairement par vanter l'intrépidité d'explorateurs comme Lewis et Clark qui ont été explorer le nord-ouest des futurs États-Unis. Or, quand Lewis et Clark se sont présentés dans cette partie du continent, ils y ont rencontré des Québécois, dont Jean-Baptiste Charbonneau, qui est installé là avec ses deux femmes, dont la fameuse Sacagawea. Pendant tout le long du régime français, les militaires québécois se sont chicanés avec les gouverneurs d'origine française sur la façon de défendre la colonie. Comme les Québécois étaient parfaitement adaptés au pays, ils savaient que pour maintenir l'équilibre militaire contre les Anglais de Nouvelle-Angleterre, qui étaient 20 fois plus nombreux, il leur fallait toujours se battre avec leurs alliés autochtones et qu'ils devaient utiliser le territoire et le climat du continent pour s'opposer à leurs adversaires en faisant simplement de la guérilla. Les militaires québécois se méfiaient énormément de militaires comme Montcalm, des militaires européens, qui ne rêvaient que de grandes batailles avec panache
en rang serré à l'européenne et dans des champs libres. Ils avaient raison de se méfier, étant donné que le jour des plaines d'Abraham, de la bataille des plaines d'Abraham, Montcalm n'a pas du tout suivi les avis des militaires québécois qui lui recommandaient de rester derrière les murailles de Québec qui avaient été construites à grands frais justement pour protéger la population et ses militaires. Les militaires québécois suggéraient de faire de la guérilla sur les arrières de l'armée britannique de façon à gagner du temps pour que vienne l'hiver, le général hiver, qui allait obliger Wolfe à retraiter, à s'en aller, de peur de voir ses bateaux écrasés par les glaces du Saint-Laurent. Mais ce n'est pas ce qu'a fait Montcalm. Montcalm a ordonné à son armée de sortir des murs de Québec et d'aller s'aligner devant les soldats de métier de l'Angleterre. Or, l'armée de Montcalm était composée d'une grande partie de miliciens québécois qui, eux, n'étaient pas du tout habitués de se battre de cette façon-là. Le résultat était celui auquel on devait s'attendre. La bataille des plaines d'Abraham a duré une demi-heure. Ça a été une débandade et une défaite totale. Montcalm a payé sa bêtise de sa vie et le peuple québécois par un quart de millénaire d'un appauvrissement artificiel. Si, après le traité de Paris, une grande partie de nos classes supérieures ont accepté de repartir en France et de quitter le Québec, c'était parce qu'une grande partie d'entre eux étaient des Français de France, c'est-à-dire des étrangers, qui n'avaient pas de racines profondes au Québec. Le traité de Paris lui-même a été signé entre Européens, en Europe et en fonction d'intérêts européens, sans jamais demander l'avis de nos ancêtres. Les Anglais, qui venaient de dépenser énormément d'argent et perdre beaucoup de soldats pour conquérir la vallée du Saint-Laurent, savaient que le peuple québécois était assis sur une véritable mine d'or, étant donné que par sa seule présence, il contrôlait la seule voie d'entrée naturelle vers le centre des futurs États-Unis. Les Anglais ont donc eu l'idée, dès le départ, de déporter aux quatre coins du monde le peuple québécois, exactement comme ils venaient de le faire avec les Acadiens. S'ils ne l'ont pas fait, c'est que ce n'était pas possible pour plusieurs raisons. D'abord, les Québécois étaient beaucoup plus nombreux que les Acadiens. Deuxièmement, l'Acadie était peuplée le long de la côte atlantique, ce qui fait que les bateaux anglais avaient facilement accès aux villages acadiens et pouvaient kidnapper leur population. Deuxièmement, l'Acadie est beaucoup plus facile d'accès que la vallée du Saint-Laurent, étant donné que la vallée du Saint-Laurent se situe au bout du fleuve Saint-Laurent, qui est un fleuve où il est très difficile de naviguer. Il y a des milliers d'épaves le long du fleuve Saint-Laurent et dans son golfe. Les Anglais savaient également que s'ils commençaient à déporter les Québécois, une grande partie d'entre eux, ils restaient perdus dans les forêts, il y avait beaucoup de coureurs de bois parmi eux, et qu'ils s'arrangeaient avec leurs alliés autochtones pour faire une guérilla continuelle extrêmement meurtrière contre les envahisseurs britanniques. Enfin, les Britanniques comprenaient que pour s'installer facilement dans un pays au climat aussi froid, il serait beaucoup plus facile pour eux de simplement exploiter le travail de la population qui était déjà adaptée au pays, c'est-à-dire des Québécois. Les Anglais n'ont pas fait beaucoup de difficultés à accepter l'exigence des Français qui refusaient qu'on déporte le peuple québécois. Ils ont plutôt opté pour l'idée de déporter vers l'Europe la majeure partie de nos classes supérieures, comme le permettait le traité de Paris. En général, les gens sous-estiment l'importance de cette déportation de nos chefs et leur remplacement par des ennemis héréditaires qui, loin d'avoir de l'amitié pour les Québécois, comme c'était le cas pour les Français, avaient, dans beaucoup de cas, avaient l'intention de se venger des 150 années précédentes où les Québécois leur en avaient fait voir de toutes les couleurs. Ce sont donc des ennemis héréditaires, des Britanniques, qui sont devenus nos classes supérieures et qui ont commencé à nous donner des ordres, toujours dans le même but, c'est-à-dire nous piller. Ce qui est alors arrivé au peuple québécois était quelque chose de tout à fait fondamental, étant donné que ça se retrouve partout dans la nature. Parce qu'il y a deux façons principales de s'enrichir. La première, c'est de produire soi-même sa richesse en travaillant. La deuxième, c'est de la prendre à d'autres, soit en volant avec de la violence, ou soit en les parasitant d'une façon plus ou moins détournée. Dans un écosystème naturel, on a toujours une pyramide
alimentaire, avec à la base des producteurs et par-dessus des prédateurs. Dans la nature, les producteurs, ce sont des plantes, ce sont des êtres immobiles qui ont des racines et ils ont des organes de production d'énergie, de nourriture, des feuilles. Au-dessus d'eux sont les animaux. Les animaux sont mobiles, ce sont des prédateurs, ils ont tous un estomac pour digérer la nourriture qui a été accumulée par d'autres, c'est-à-dire par les plantes ou par d'autres animaux. À mesure qu'on monte dans la pyramide alimentaire, on voit l'agressivité qui augmente. Et une agressivité qui augmente beaucoup plus rapidement que le courage, étant donné que ça ne prend pas beaucoup de courage pour s'attaquer à des plus faibles quand on a des crocs et des griffes. C'est particulièrement évident quand on arrive au sommet d'une pyramide alimentaire, étant donné que les animaux dominants d'un écosystème essaient rarement de s'entre-dévorer, parce que ce serait trop dangereux pour eux, et parce qu'ils sont à armes égales. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils se divisent le territoire disponible en petits territoires individuels, de façon à ce qu'ils puissent ensuite exploiter les plus faibles. Dans le cas des êtres humains, c'est exactement la même chose, étant donné que comme les Anglais l'ont fait au Québec, il leur suffit de vaincre, de désarmer leurs ennemis héréditaires, pour ensuite abuser de leur puissance et exploiter les vaincus pendant des siècles, et ça sans prendre trop de risques. Quand les Canadiens anglais écrivent l'histoire, ils aiment bien faire oublier que le moment précis où le peuple québécois est devenu plus pauvre et plus faible qu'eux dans une foule de domaines, c'est 1763, c'est-à-dire l'année où ils ont expulsé vers la France la partie la plus instruite, la plus entreprenante et la plus mobile de notre population. Cette déportation a eu d'énormes conséquences sociales et culturelles, dont la plus importante a probablement été la perte généralisée du courage qui s'est alors produite à l'intérieur du peuple québécois. Ce départ de nos chefs et de nos marchands a en effet augmenté la proportion des paysans dans notre population, une proportion qui s'est ensuite maintenue compte tenu de leur énorme croissance démographique. Or, les paysans sont des gens naturellement craintifs, étant donné qu'ils sont naturellement vulnérables. Les paysans sont toujours éparpillés sur un immense territoire, ce qui fait qu'ils peuvent difficilement s'entraider quand quelqu'un les attaque. De plus, ils sont ordinairement installés sur d'immenses territoires plats qu'on peut envahir de toutes les directions à volonté. Enfin, ils sont immobiles sur des terres où se situe tout ce qu'ils possèdent, c'est-à-dire leur famille, leur maison, leurs bêtes, leurs réserves de nourriture. Les paysans savent que ceux qui les exploitent et les pillent savent toujours où les trouver s'ils veulent se venger d'eux. Ça en fait des gens naturellement craintifs. À cette crainte naturelle s'ajoute le fait qu'après la conquête au Québec, notre société s'est réorganisée autour de l'Église catholique qui a toujours prêché la soumission aux plus pauvres. La perte du courage au Québec a peut-être été encore plus sensible au niveau de nos classes supérieures, étant donné qu'une grande partie de ceux qui sont retournés en Europe c'était des braves qui refusaient de se soumettre à une autorité étrangère. D'un seul coup, presque sans transition, de grands meneurs d'hommes comme Lévy, Vaudreuil ou Pierre-Lemoine d'Iberville ont été remplacés par une grande majorité de petits avocats qui ont passé leur temps depuis la conquête à quémander des faveurs auprès de leurs patrons anglophones. Il faut dire que les Anglais ont eu l'habilité très tôt d'encourager cette timidité de nos leaders en leur faisant entrevoir la possibilité d'obtenir du pouvoir, du prestige et de l'argent grâce à un système d'élections régulières. Bien sûr, les autorités anglaises n'étaient pas du tout sincères lorsqu'elles ont organisé ce système démocratique, étant donné que dès le départ, elles en ont faussé les principes de base. Ceux qui connaissent l'histoire savent que les Québécois ont longtemps voté pour des représentants qui n'avaient aucun pouvoir réel. Ils savent aussi que les Canadiens anglais se sont opposés avec force au principe démocratique du « un homme, un vote » tant qu'ils étaient minoritaires, pour ensuite l'exiger comme un droit inaliénable de la population quand ils sont devenus majoritaires. Pendant longtemps, les Québécois se sont prêtés loyalement au jeu démocratique, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que les Canadiens anglais n'avaient pas du tout l'intention de les laisser contrôler quoi que ce soit d'essentiel. C'est une des causes de la révolte des patriotes de 1837-1838. Comme la majorité de nos leaders manquaient alors de courage, ils ont refusé d'appuyer les patriotes qui se sont vite fait massacrer. Quand le calme a été revenu dans la colonie, la reine Victoria a délégué au Canada un Britannique, Lord Durham, un autre étranger qui est venu au Québec pour décider de notre sort sans nous demander notre opinion.
malgré tout son mépris de conquérant pour le peuple québécois. Lord Durham s'est tout de suite aperçu en arrivant sur le continent que ce qu'il y avait d'intéressant au Canada, c'était ce qui se passait au Québec, étant donné que pendant les 5 mois de son enquête, il n'a passé en tout et pour tout que 5 jours dans ce qui allait un jour devenir l'Ontario et pas une seule minute dans les Maritimes. La lecture du rapport Durham est très intéressante parce qu'elle met à mal la théorie des Canadiens anglais qui dit que le Canada et l'Empire britannique et le Canada ont toujours été très généreux en laissant aux Québécois leurs institutions, leur langue, etc. Il n'y a jamais été question de ça. Lord Durham admet lui-même dans son rapport que si l'Angleterre a donné des droits aux francophones après la conquête, c'était pour fortifier notre peuple, pour en faire un contrepoids aux dangers que représentaient les futurs révoltés des États-Unis, qui parlaient déjà à cette époque-là d'expulser les autorités anglaises du territoire des futurs États-Unis. Pour Durham, la cause principale du problème canadien résidait dans l'existence même du peuple québécois qui se servait des institutions britanniques pour essayer de défendre ses intérêts, comme c'est normal. Pour Durham, qui était un patriote anglais, la solution à ce problème consistait à détruire le peuple québécois en le noyant dans un Canada uni qui sera majorité anglaise. Une opération qui, selon Durham lui-même, aurait l'avantage de faire payer les dettes du Canada anglais par le Canada français, ce qui a été fait. Quand les Québécois se sont retrouvés dans un système où ils étaient minoritaires, ils se sont bien sûr mis à faire du sabotage systématique, ce qui a obligé les Canadiens anglais, lors de la constitution de la Confédération en 1867, à redonner un territoire aux Québécois. Évidemment, encore une fois, ils n'avaient pas du tout l'intention de respecter les principes démocratiques. Ils ont donc faussé le jeu de nouveau. Ils ont recréé le Québec, mais ils l'ont soumis à l'autorité d'un gouvernement fédéral et d'une Cour suprême qui était contrôlée par les Canadiens anglais. Ils ont également joint au Québec 3 provinces canadiennes anglaises qui se sont multipliées jusqu'à atteindre de nos jours 12 provinces et territoires. Cette création de multiples provinces et territoires a également permis de dénaturer le principe démocratique d'égalité en inventant le concept d'égalité des provinces. La démocratie canadienne est tellement tordue que dans la Fédération, le Québec a la même voix que la petite île du Prince-Édouard qui est 56 fois moins peuplée. Pire, le Québec, à lui tout seul, est presque 2 fois plus peuplé que 9 des 12 territoires et provinces du Canada anglais réunis. Jusqu'au 20e siècle, le système canadien a bien fonctionné, étant donné que les Canadiens anglais sont parvenus à maintenir le peuple québécois dans la pauvreté en utilisant une discrimination systématique. Tout ça, les vrais problèmes ont commencé au début du 20e siècle, qui a correspondu avec le début du déclin du monde anglo-saxon. C'est dans la première moitié du 20e siècle que les Québécois se sont transformés d'un peuple de paysans en un peuple fortement urbanisé. C'est au cours de la Révolution tranquille de 1960 que les Québécois se sont transformés d'un peuple de pauvres en un peuple de classe moyenne. En s'urbanisant et en s'instruisant, le peuple québécois a repris courage. Il a repris confiance en lui-même et s'est lancé à l'assaut des classes supérieures. Ce qui fait qu'en quelques décades et en quelques décennies, il est parvenu à recréer au Québec même une pyramide sociale complète, milliardaire inclus. Quand, au milieu du 20e siècle, le Canada anglais a réalisé qu'il était en train de perdre le contrôle sur le Québec français, il a automatiquement adopté la politique du diviser pour régner et il a fait venir à Ottawa des métis comme Louis Stephen Saint-Laurent ou Pierre-Éliott Trudeau qui préféraient se mettre du côté de la moitié puissante de leur famille pour écraser la moitié la plus faible. À ces gens-là se sont joints des pure laine agressifs du genre de Jean Chrétien qui se sont organisés pour obtenir des victoires faciles en tapant régulièrement sur leur patrie d'origine. Ils avaient l'impression comme ça d'être des gagnants. Au niveau provincial, si on accepte des leaders de la trempe de René Lévesque ou de Jacques Parizeau qui avaient tendance à s'entourer de gens communs, la plupart des leaders du Québec entre 1960 et 2014 se sont révélés être des individus décevants.
des mous, des timides, à l'image de Robert Bourassa ou de Lucien Bouchard. Dans la plupart des cas, il s'agissait d'anciens petits pauvres qui considéraient leur vie réussie si on leur donnait de l'argent, des titres, des décorations, et surtout si on les invitait dans les châteaux de leur patron anglophone. Quant aux deux référendums sur la souveraineté qui ont eu lieu au Québec, si le Canada anglais s'est prêté au jeu et a laissé le Québec décider seul de son avenir, c'est parce que ça s'est produit après l'époque des décolonisations et que tout le monde savait que la communauté internationale avait désormais son nez fourré partout. Elle était finie, l'époque où les Anglais pouvaient déporter les Acadiens ou massacrer les Patriotes sans encourir de reproches du reste du monde. De toute façon, le Canada anglais savait qu'il pouvait compter sur le vote massif des immigrants. Il n'a pas eu tort, étant donné que dans les deux occasions, ce sont les votes d'étrangers qui sont venus du fin fond de la planète qui ont décidé de notre sort. Si, de nos jours, le Québec continue de piétiner à l'intérieur du Canada, après avoir connu, il y a 18 ans, un référendum où il a atteint presque 50% de oui, c'est parce que nos leaders ont peur de passer à l'action. Ils n'avaient pas peur de nous laisser travailler comme des bêtes pour faire augmenter le oui de 10%, 20%, 30%, 40%, 45%, 50%. Pendant toute cette période, la croissance de la vague souverainiste faisait bien leur affaire, étant donné qu'ils n'avaient qu'à surfer sur cette vague-là pour faire une énorme distance jusqu'à leur retraite dorée. C'est quand on a atteint exactement 50% qu'ils ont pris peur et qu'ils ont arrêté de faire une promotion agressive de la souveraineté. Nos leaders actuels, ils ont peur des regards, des gros regards méchants du Canada anglais. Ils ont peur des partitionnistes. Ils ont peur des Warriors. C'est tout dire. Comme le Québec moderne est devenu un peuple normal, qui a repris courage et qui est prêt pour la souveraineté, il est très en avance sur ses leaders. S'il veut sortir du marasme où il est présentement plongé, il doit absolument se débarrasser de ses leaders actuels. Il doit absolument essayer le courage. Comme d'habitude, je vous encourage à distribuer librement cette vidéo autour de vous. Je vous salue.